Salut, épisode 24, fin, suite et fin de ce let's play. Petit bug sur la première partie de l'épisode 24. J'avais mis pause et j'ai oublié de reprendre la pause, donc j'avais continué la vidéo et les Pokémon ont été capturés. Ici, dans l'usine de Orin, vous pouvez trouver Raikou. Donc vous avez, suite à la quête qu'on fait avec le professeur Orm, on lui montre les 100 Pokémon qu'on a attrapés, il nous donne. Enfin, il nous dit que où est-ce qu'on trouve les légendaires, les chiens légendaires. Donc il y en a un ici dans l'usine. Aussi il y en a un. Donc celui que nous l'a rencontré ensemble. Et Entei que je galérais à trouver. Il est tout simplement par là. Je vais vous montrer. Vous allez jusqu'à Divanpakei, vous pouvez Soaring tout là-bas. Et vous entrez, vous suivez ce chemin précisément. Alors, on va être embêté un petit peu par les Pokémon sauvages. Je suis en train de descendre, mais vous montez, vous allez vers la gauche. Vous vous laissez tomber dans le trou qui est juste après. Vous allez à droite. Vous prenez l'échelle que vous avez commencé à apercevoir. Vous pouvez mettre des repousses, évidemment, pour gagner un peu de temps. Là, c'est un peu agaçant. J'ai pas de repousses puisque j'ai tout vendu pour investir dans les Pokéballs. Vous montez et vous avez cette petite zone et il apparaît ici. Alors là, moi je l'ai déjà fait, donc il n'y a pas de petite alerte disant que vous allez rencontrer le Entei. Mais voilà, vous pouvez le rencontrer ici. Il nous reste deux dernières quêtes à terminer pour avoir fini cette chasse. Une quête qui va nous permettre d'avoir notamment tous les Ultra Chimères. Alors je les attraperai pas tous puisque vous verrez où est-ce qu'ils sont. Ce sera à vous de les trouver, on va dire. Alors par contre c'est insupportable. Alors vous savez quoi, je vous ai montré. Je vais retourner à ma sauvegarde. Comme ça je sors un peu plus rapidement de cet endroit. Parce que c'est un peu plus long pour ressortir. J'ai pas de repousse. Voilà, je vous reprends ici. Là, vous faites Soaring jusqu'à Sovio City. Sovio City c'est ici. Alors, je vais juste changer les Pokémon. Toi, si tu t'en vas, et je vais enlever même boule de nœud, c'est en anticipation. Ah mince, oui, j'ai oublié de prendre les Pokémon que je voulais prendre. Alors, je veux que des légendaires en fait dans mon équipe. Donc, je vais retirer lui. J'aurais pu retirer lui, mais finalement au niveau 5, et je sais pas si j'ai un multi-expérience. Là, on va nous donner, avec la quête qu'on va faire, on va nous donner un légendaire. Et surtout, après, dans une autre quête, enfin, plutôt dans la suite de cette quête, on va avoir un œuf. Et je veux avoir de la place. Donc là, normalement, si je ne me trompe pas, on a deux places. On va investir dans quelques repousses. Je vais vendre des hyper potions. On ne devrait pas non plus en avoir besoin tant que ça. On en a encore pas mal. Normalement 10. Et j'achète des 9 max repousses, parfait. Et là on va faire un combat en plus qui va nous donner un peu d'argent, donc ça va. Alors, vous descendez, vous allez à gauche, vous utilisez les repousses que vous venez d'acheter évidemment, pas comme moi. Voilà, et là vous êtes tranquille. Vous montez tout de suite, pas du tout, il fallait pas monter tout de suite. Vous montez la deuxième fois, vous montez encore, vous allez à droite, vous descendez. Vous prenez pas, alors là il y a un endroit où vous pouvez pas y accéder, donc vous montez ici. Et là vous êtes dans une zone un peu sombre, il faut pas perdre courage, vous descendez tout de suite. Là en fait ça va être un peu du hasard, je vais pas vous mentir. Je me rappelle pas très bien, est-ce que c'est ici? Non. Bon, vous testez un peu toutes les salles que vous rencontrez. Je crois que c'est une salle dans laquelle on rentre en hauteur un peu, en montant. Ah non, pas du tout. Et vous avez Gladio qui vous attend et qui veut vous défier pour un combat. On a Nostanfer en premier, je m'en rappelle. Nostanfer. Ouais, on peut le tenter avec la Tias. Il est niveau 45, mais on peut le tenter. Ah, tu m'as fait peur. Après le tournoi, je suis retourné à Alola et j'ai rencontré des scientifiques de la Fondation Ether. Ils ont dit que mon type nul n'était pas le seul. Donc j'ai décidé de m'occuper de celui-ci. Mais le truc, c'est que je ne peux pas trouver un bon endroit pour l'entraîner. Eh cher, ça serait peut-être une idée dingue, mais tu voudrais l'élever pour moi? Vous dites oui, évidemment. C'est le début d'une quête. Mais je dois te tester avant. Viens me montrer que tu mérites la puissance de type nul.
Il a 5 Pokémon, le premier c'est un os d'enfer. Et en fait, je recommence cette partie 24 puisque je l'avais totalement faite. Mais ça n'avait pas enregistré. Enfin, plutôt, je n'avais pas lancé l'enregistrement, donc je parlais devant mon ordi vraiment en mode entraînement de let's play. C'est terrible. Quoi? Mais oh, sérieusement? Ouais, non, mais la Thias, un peu de. Non, mais trois fois je suis apeuré, ça a 100% de précision ou bien. Enfin, de 100% d'apeurement. Ah, les coups critiques, ça sert vraiment à rien, la Thias, c'est un truc de fou. C'est vrai, sérieusement. Allez, Future Sight, Extreme Speed, et Future Sight, il est KO. Et tout le reste, Ferfi va pouvoir le faire, on lui fait un petit work-up. Et on lance les Aura Sphère, Lucario, après Zoroark. Et après, je sais plus. Ah oui, Weavile, ouais, on peut s'en occuper aussi. Très bien. Aussi, toujours aussi tranchant. Impressionnant, on prend sa Pokéball. Et là, quoi, on a l'Ultra Pass aussi, qui nous permet d'aller à une île très intéressante. Type 0, hein, il est niveau 40. Mais c'est très bien, ça fait plaisir. Donc là, vous sortez, il faut aller à gauche et monter tout de suite. Vous allez à droite, et là vous allez à droite aussi, je crois. Voilà, très bien. Vous avez toujours repousse activée, normalement. Vous le remettez, évidemment, parce que vous n'aimez pas les Pokémon sauvages qui pullulent toutes les deux secondes. Et vous ressortez. La suite de votre aventure se déroule au centre Pokémon. Vous soignez un petit peu si vous avez besoin. Alors, et vous allez voler, vous allez soaring jusqu'à où déjà? Ah oui, jusqu'à Disbay. Là, vous allez parler à un marin. Voilà, il vous emmène à l'Ultra Island, vous avez le Ultra Pass. Les Pokémon sauvages de cette zone seront un peu particuliers, alors vous en avez même un petit paquet. Alors là, ce qui intéresse surtout, c'est l'œuf. On a un œuf un peu spécial. C'est un œuf Pokémon, ça doit être. Est-ce qu'on le prend? Et là, l'idée, c'est de... Alors, il est avec nous. C'est de le faire éclore. Donc, je vais vous montrer un peu les Pokémon sauvages. Et je ferai peut-être une pause à un moment donné, puisque pour éclore, ça sera un peu long. Mais voilà, vous avez... Non, c'est lui que je voulais... J'ai ma liste. Blacéphalon, je sais plus. Vous avez plein d'Ultra Chimères que vous allez rencontrer. Alors, on va pas mettre la chose devant, c'est pas l'idéal. Mais l'idée, c'est de pouvoir les rencontrer tous. Alors là, on a vu rapidement comment il s'appelle. Buzzwall. Très bien. Nihilego. Parfait. J'avais pas rencontré la première fois où j'avais commencé ma recherche des Ultra Chimères. Donc voilà, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en pouvais en trouver 11. Donc là, on a trouvé 3 sur 11. 4 sur 11. Oula. 4 sur 11. Xoki, tu es là. Là, j'accélère aussi pour qu'on ait nos pas. Célestie, là. Très bien. Déjà 5 sur 11. Je vous laisserai Feromosa, mais c'est incroyable. On a que des Ultra Chimères qu'on n'a pas encore vu. Il nous reste Guzzlord, Poipol, Naganad, Kartana et Skatakata. Bon, j'ai rien compris à ce que j'ai écrit. Kartana, bah parfait, de la chance. Hein. La première fois que je l'ai fait, je suis tombé sur les trois mêmes Ultra Chimères pendant 10 minutes. Bon, j'abuse un petit peu. Je ferai peut-être une pause à un moment donné et je vous remontrerai seulement ceux qu'on n'a pas rencontrés. Puisque 30 000 pas, il y a plus de 30 000 pas à faire. C'est un peu long. Et comme à chaque fois, on est gêné, on va dire, par les légendes, les Ultra Chimères. Ah, Poipol. Ah, mais c'est pas une Ultra Chimère, lui. C'est pas une Ultra Chimère, ça. Poipol. Alors, est-ce que lui veut pas une petite hyperbole, lui? Non? Hein? Non? Bon, écoutez, voilà. Très bien, il nous reste quoi? Naganad, Guzzlord et Skatakat. Vous avez compris. Et surtout, au bout de l'œuf, il nous restera un dernier. Ouais, je vais faire ça, je mets en pause la vidéo. Si je rencontre un Ultra Chimère qu'on connaissait pas, je vous le montre. Coucou, voilà Stakataka. Stakataka, oui, c'est ça. Ah, finalement, je l'avais pas écrit si mal que ça. Bon, allez, c'est reparti. Voilà, Guzzlord, il est là. Il nous en reste un seul, Naganad. Je sais pas qui c'est, je vois pas du tout quel Pokémon c'est. Incroyable,
L'œuf va éclore après 15 minutes, 20 minutes de course. Un peu long, 30 000 pas, même en accélération, en courant. J'ai vite arrêté d'essayer de trouver les Pokémon sauvages. Cosmog, bienvenue. Bonjour. Voilà. Joli Cosmog. On va pas le renommer, non. Mais il fait partie de notre équipe, niveau 1. Type psy, bravo. Bravo, bravo, il a trempette. Bon. Il y a une dernière chose que je veux tester. Voir si cette fois ça marche. Colen. Je veux aller à Chargy City. Chargy City qui est où? Parce qu'il n'y a pas 20 000 villes. Voilà, Chargy City. Normalement, il faut aller à gauche, mais bon, je n'ai pas compris pourquoi on peut pas. Je sais pas s'il y a un truc pas terminé, je sais pas. Là, il se passe quelque chose là-dedans. The door is not working. Bah, elle s'est ouverte quand même. Bon, normalement, je vous le dis quand même, puisque je sais pas trop comment régler ce petit souci. Il y a un manoir à trouver et on peut avoir Darkrai. Bon, c'est vraiment le seul, je sais pas trop où le trouver. Enfin, comment débloquer la suite. On va essayer peut-être une dernière fois de retourner là un peu dans les herbes avant. On va voir si on n'a pas loupé Belladonis ou je sais plus qui on avait comme personnage qu'on rencontrait dans cette partie de la région. Mais bon, je sais pas trop. Bonjour. Ouais, ils sont tous policiers. On avait dû tous les combattre, j'imagine. Ici, un spécial. Be Downtown. Et aussi. Ah, y a rien. Écoutez, j'abandonne ici. Je laisse ici, je sais pas, pour Darkrai. On va sauvegarder. On va se laisser ici pour ce let's play. J'ai essayé de faire voilà, à peu près tous les légendaires. Alors, je les ai pas attrapés, mais je vous ai montré l'emplacement. Je pense que c'est plus important. J'ai pas trouvé Naganadel dans les herbes sauvages. J'ai vu qu'il s'appelait Mandrillon en français. Eh bien, tant pis. Il doit être plus rare que les autres. En cherchant beaucoup, vous le trouverez. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure un peu dingue, puisque en Pokémon Source, en Nuzlocke, on a beaucoup eu de mal, de difficultés. On a Lucario qui nous a suivi pendant longtemps. J'aimerais qu'on termine sur cette image, sur notre beau Lucario, Ferfi, qu'on a gardé très longtemps. Et puis merci d'avoir suivi cette petite aventure qui s'est terminée à quelques mois d'écart, presque un an d'écart même, plus qu'un an d'écart. Donc merci à tous, et puis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao.